Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Pêche. Donc hier on a fait une petite sortie hein, pour tester la nouvelle canne Daiwa qui est arrivée chez notre ami Denis Pêche Gambetta avec mon pote Arnaud qui a fait le déplacement de Aix-en-Provence. Donc il a acheté cette canne et un moulinet 3000 chez Denis Pêche Gambetta la semaine dernière et on a testé ça cette semaine. Donc avec la prise de quelques Pajot, oblong. poissonnades, Sevreau et une pélamite pour finir. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps mais on a réussi quand même à se faire plaisir. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne, ce que donne cette canne. Donc c'est une 10-35 grammes. La longueur, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 2,40 ou 2,60. Voilà, c'est parfait, hein. Du bord ou en bateau, c'est la taille parfaite. Voilà, je vais vous montrer ça et je ferai une autre vidéo plus tard hein, pour vous montrer en même temps ma canne Art. Voilà, là, vous pourrez faire voir la différence. Ah, c'est bon. Alors, Arnaud? Ah, c'est une oblate, c'est beau ça. Voilà. Oh mais poisson merde. Putain, là tu vas des nœuds là, faut vite la sortir. Avec une oblade, une belle oblade. Bien joué. Voilà, ah, beau poisson en direct. On voit la nouvelle canne. T'as lâché du frein? Voilà, laisse. Putain, je suis en direct, tu te pêches. Ouais, c'est bon. Rentre, il faut que tu sers un petit peu, je pense. Voilà. Tu te pêches, qui te pêche. Voilà, une pélamite. C'est la canne qu'on a en ce moment chez Denis Pêche, hein, où on a négocié les tarifs pour vous. Canne Daiwa, avec une jolie pélamite. Super bien. Et là, elle est où? Moi, j'ai un double fil. Hein. Voilà une pélamide. C'est la canne qu'on a en ce moment chez Denis Pêche. Hein. On a négocié les tarifs pour vous. Canne Daiwa avec une jolie pélamide. Non, t'inquiète, t'inquiète. Donc, avec. Putain, ça va donner un peu la gêne par contre. Elle serre pas trop. Elle est piquée au bord. Ouais, elle serre pas trop, on va pas la perdre. Et c'est normal, laisse. Hop, ouais, vas-y. Donc, ça te fait chier. T'as vu que là, ça te faisait chier. Donc, faut que tu montes. Ah, j'arrive pas, il y a du courant. Voilà! 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 Voilà.